Bon, bah, il pleut pas. Ah, en plus, vous êtes 18 et tout le monde est... En plus, tout le monde est là, sauf Pollog et Butch. Ah ouais, il y a Ah Butch, de oui, toute façon, il j'ai n'avait pas vu sur changé la grand-chose. description, il y a Scroot là. Enfin, attends, c'est Falex, non, c'est ça? Je cherche. Ouais, mais c'est ça, c'est. Non. Où est-ce qu'elle est la deuxième? Ah non, c'est ça. Si elle scratte, il est à nouveau là. Et F1 Alex, ça doit être à nouveau ça. Et Et Tifa c'est gagne Der Prot qui bien, dit attention, il y a incroyable. des nuages en fin de course. Il y a des Des nuages. nuages. Faut quand même vérifier si j'ai pris les bons réglages. Canada sec. Bon, allez, je vais brancher. Vu que d'être déconnecté. Attention, votre personnel, la monoplace part. Le Pas petit de pluie vieux au quoi, Canada, cher c'est un mec. bug. Canada, ça fait. A pousser le PC. J'ai terminé Sunshine entre temps. C'est bien Sunshine, c'est mon jeu. Bon, c'est pas mal. Oh! Bon, c'est le Mario que j'aime le moins, je l'avoue. Mais ça reste pas mal, ça reste sympa. J'ai commencé Galaxy, très sympa. Moi, j'ai déjà fait, donc là, je suis pas. Je vais peut-être essayer de le. J'ai pas fait 100% Galaxy, je vais peut-être essayer. Bon, oh, parce que c'est pas une bonne. Bon, je sais pas. Bon, je prends de plaisir aussi. Et moi, je suis pas comme toi. Je platine pas les jeux pour le. Tiens, on va. Bah, tiens, on va les poster sur Hooper. Faire oh non, j'ai encore oublié de mettre de l'essence correctement. Oh, il est encore parti avec un plein. Moi C'est je vais ça? rentrer tout de suite. Bien, rentre à la fin de ce tour. J'ai posté ma partage création. Alors, Tiflor, qu'est-ce qu'il est? En plus, tu peux pas faire start, rentrer au stand, t'es obligé de faire le tour complet. Bah oui, c'est bizarre ça. Eh, c'est réaliste, hein. Tifleur, à la radio, mais qu'est-ce que vous avez branlé, les mécaniciens là? Pourquoi vous avez mis de l'essence? Et Cyril qui répond, qui dit Tifleur, on en parlera après les qualifs, s'il te plaît. Après les qualifs, on en parle en off, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de chrono évidemment. Ah, Zboubi qui fait le premier chrono. Zboubi! Boubi. Et déjà un drapeau jaune. Ah, c'est Tiflor en panne d'essence. Avance toi mon petit gros. Allez vas-y. Il y a le Attends, rookie qui fait le meilleur temps. je remets la F1 vite fait. Voilà, je regardais juste combien de temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alex, meilleur temps. Strip lourd, meilleur temps. Attends, Alex, c'est quelle équipe ça? C'est nouveau? C'est As? Ça va pas avoir de nom. Ah non! Non, Pas, c'est c'est pas Rubio qui est possible. chez. Il y a froid de Rubio. Non, t'es chez Williams. Il y a froid, moi. Ou je peux forcer une diapo. Un des deux. Tiflorg en tour de sortie. Entrée.
priori, on fait 3 tours ici, puisque 2 tours, enfin 2 arrêts, c'est pas assez. Meilleur temps de blaster. Moi, je pense 3 arrêts, tu dis? Oui. Ah, c'est possible. Soft, 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 médium ou soft, soft, médium. Au moins 2 arrêts, tu l'accordes. 3 arrêts, c'est bien possible. Bon, en groupé de 20, ça va rien dire. Ils étaient sous la pluie tout le long. Hein. Ils ont fait un intermédiaire, ils ont fait 2 arrêts, je crois. Mais... Ah, ça va. C'est un intermédiaire tout le long, donc. Ça ne veut rien dire. Là, ça tape la bordure. Au stand à la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Phil Warrior, meilleur temps. Et Neomap qui fait un énorme temps en médium. Neomap tente le médium. Ou alors il est en médium. Neomap médium, oui. C'est pas un énorme temps, mais c'est pas mal. Pour des pneus médium, c'est vrai que c'est un bon temps. Ouais. Tente le départ en médium, c'est assez étonnant. Sur un médium, là, t'es pas compétitif au départ. Donc il tente stratégie agressive en fin de Grand Prix. C'est ce que je voulais faire en vrai. Si je suis pas dans le top 10, je pense démarrer un médium. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas un top 10, je suis d'accord. Oui. C'est étonnant ce qu'il fait, Néo. Est-ce qu'il améliore? Je suis toujours en retard, moi, forcément. Par contre, il y a rouleau de face de moi. Bon, là, j'imagine en plus que beaucoup de monde vont me passer devant puisque j'ai pas fait un très bon tour. À 9ème temps, Tiffard, j'ai pas vu. Nomab 7ème, Rolio 8, Enscorp 10, Zerf et Killer. Il y en a qui ont pas fait de temps encore. Il y a une 10.2. Moi, je suis même pas dans le top 10. Sinon, je suis. Ça va être compliqué en vrai d'aller chercher Nomab par exemple. Une 9.5 qu'il a fait, j'ai fait une 10.3. Un pneu médium en plus. En killer, c'est bizarre, il a fait 4 tours. Ah, mais Hardicon et Nomab tentent les médiums. Ce sont les seuls à tenter les médiums. C'est ça. Étrange stratégie, je trouve. Oui. Moi, je vais retenter les softs, je ne sais pas. Oui. On occupe la 12e place au speed trap. 300 et 31,6 km/h. Ah, Neomap qui a un bon chrono et qui a tapé. Il continue. Alors, Swifty qui demande si on gagne des saucisses. Non, sur Hooper, là, parce que j'ai posté le lien. Tu sais, il y a quoi? Non, il n'y a pas de saucisses. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a des points déjà? Est-ce qu'ils ont activé ça? Attends, je vais aller voir. Je crois pas. Ah non, il faut t'affilier. Non, maintenant ça a rien à voir. Ah, si, il faut que tu sois affilié, sinon t'as rien. Cliquer. Alors, Fuel, on va aller dessus, tiens. Évidemment qu'ils sont pas affiliés. 14 spectateurs. Ah non, il n'y a pas de. Il n'y a rien du tout. Alors, il y a qui en spectateur? Il y a Tiflorb en spectateur. Il y a Bruno, Lionel. Mercanti, Frédéric, Nathan, Neomab, Orivador, Routinho, Vidéo de F2 et Zboubi. Zboubi 38? Ça veut dire que Zboubi. Attends, 38, c'est 10h, je suis pas fou. Ah oui. Bon. De quoi Zboubi? Je vois Zboubi 38, c'est vrai qu'il est 10h. Si ça correspond bien à son département. Oui. Modo, Rui Plano et Mika Toto. Bon, allez, j'enlève. Hop.
On sort de là. Bon, par contre, le nouveau F1 Alex, là, bon, super, il a l'air super fort. Donc, ça, c'est une place de perdu. C'est Ah, débile, par ça. contre, moi j'ai plus les chronos, c'est quoi cette merde? Y a plus rien là. Y a plus que. Ah, ça y est, c'est revenu. Qu'est-ce que c'est que c'est. C'est Une sorte de saucisse. douzième. Ah ouais, le C'est nouveau, saucisse. le deuxième temps là. Ouf. Alex. Alex du Québec. Non, c'est pas du Québec. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il fout, Killer? La Killer, il a fait 6 tours avec ses tendres. Il a cru que c'était des essais libres ou quoi là? Il se passe quoi là? Va être compliqué en vrai comme course. Ça va être compliqué. Medium, ah non, stand. Ouais, il est dernier pour l'instant. Dez qui ne fait pas les qualifs comme d'habitude. Max Stack n'a pas fait de chrono. Tout comme Mitch. Max est en train de faire un chrono. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Daze aussi, mon Dieu, mon Dieu. Ah non, Daze, il avait raté son deuxième secteur, il a pas envie, il s'est dit, ouais, c'est bon, je vais faire mon premier secteur, mais bon. Il y a Routino 10, je crois que c'est J'espère que tu Rulio, as non? trouvé Qui dans les casse rayons son que ça reste aileron? calme. Ah oui. Rayon. Ah, Mitch qui sort. Allez, ça bombarde. Ça bombarde. Max. Premier tour, déjà Ah mais meilleur d'accord, Samolo, il a fait un temps en médium ou il vient de mettre les médiums? temps. Non, il était en tendre. Il a fait son temps en tendre. Faut entendre. Moi, chez moi, il entend ce mollo. Alors, attends, je suis en retard. Il a dû partir en médium. Il a dû changer ses pneus. Et qui va entendre? Il vient de passer les médiums. Mollo, je suis en retard. Mais est-ce que mollo l'entendre? Attends, il va changer. Non, moi, ce mollo, il entend là. Non, le médium chez moi. Et là, il est en tendre maintenant ou il était en médium avant? Bah, il attend tout le long. Pour moi, les seuls combinés médium, c'est Hardycon et Neomab. Il y a Ah, il y a Killer qui Routino vient qui de dit mettre les Daze. médiums. Pourquoi il dit Daze? Et Killer qui vient de mettre les médiums, mais il a fait son tour en tendre, bon, même s'il est dernier. Hein. Pourquoi il dit Daze? Ah, Samolo, il entend. Oh, t'es Mais entendre, ta Samolo. gueule, mais ferme ta Daze, il te reste gueule! 5 minutes. Excusez-moi, messieurs. Quoi? Durée de vie 25 tours pour les m'étendre? Bon, c'est à peu près ce que j'avais calculé. Mais en vrai, 25 tours, au bout de 25 tours, les pneus ils marchent plus. Il faut les changer avant. Forfait. Le kick est forfait. Non, j'ai dit forfait. Pourquoi t'as dit ça? Pas la langue. Il est bourré. Vérification Et terminée. c'est pas Attention à bourré. tout le Elle personnel, fait la pas la moto place va langue. partir. C'est pas Vampy, il faut moquer fort quand on fait pas la langue. Ouais, j'arrête. Merci. Oh, mais quel connard ce type! Non. Un tifla, ouais. Oh, chat! Oh, chat tifla! Quel connard! Bon, en tout cas, t'es devant Butch, ça c'est bien. Il est où Butch? Il prend le classement. Non, mais je fais chier. Je vais remplacer Butch, tiens, je vais acheter fin 2020. Je vais acheter un volant. Voilà. Je vais appeler mes parents. Je l'avais! Je veux un volant pour Noël. Ou alors j'arrache le volant de ma Clio, est-ce que ça marche? Si j'arrache le volant et les pédales, je les installe sur la. J'arrache tout. Bon, ça donne petit flamme. Toujours 14e. Dixième avec les médiums. Mais je suis con, j'ai complètement coupé. Ah bah tiens, on suit ici. Alors Mais plutôt quel. dessus sur le début du tour, tiens.
Une 10. Ah, tour annulé, quelle connerie. Ah, il nous a fait. Ah, on a vu le début du tour avec toi. Ça valait pas le coup. Bon, ça sent les pénalités durant le Grand Prix. Ça sent les courses de grosse ah, merde. Oui, bah... Ah oui, bah ça a compris où il y en a, ouais. Il y a les deux chicanes là, la chicane à la fin, puis celle avant l'épingle. Ah, Adesia qui fait pas la session, Dab, abandonne. Max Stack fait la pole. 3 dixièmes. Il arrive à peine à faire mieux que tout à l'heure. Ah si, là j'ai gagné 3 dixièmes, c'est plutôt pas mal. Plus qu'à pas louper la dernière chicane où on peut gagner 3 dixièmes en coupant, mais c'est compliqué. Gagné par rapport à tout à l'heure. Bah, j'ai gagné 5 dixièmes quand même au total, mais. Ah ben non, regarde, je n'ai rien gagné. J'étais 15ème, ah, je crois. Rouleau. Je suis 15ème. Ah si, t'es le bleu rouleau quand même. Ah oui, voilà, à l'instant. Je suis un peu en retard. Ah, il y en a quoi améliorer. Michmush qui abandonne la session. C'est un peu mieux ah, la piste. Je suis nul. Je suis nul en qualif. Blaster abandonne. Ah oui, non, mais c'est fini, ouais, c'est la fin de la session. Street Lourd 3ème temps, Full Warrior 4, Alex 5, Articon 7, Neomab 10 avec les pneus médium, Killer 11. Bah, étonnant ce que fait Neomab, tenter les. Ah, mais il est en tendre là, Neomab. Ah, fais-moi un joli avis. Articon partir 7 avec les médiums et Neomab. Enfin... Booby 6 comme d'hab, avec son clip de Booby. Qui va se craquer en course. Putain, j'ai fait 15ème. C'est ridicule. Ah, t'es devant les deux as. Ah, Neomab, entendre, qu'est-ce que ça donne. 5ème temps. Avec les tendres. Du coup, il n'y a que Articon qui partira en médium, 8ème. Et Killer 11ème, que je suppose va mettre les médiums aussi. Bon, 5 minutes. Je suis à 1-9-8 et tout le monde devant est. Ah putain, mais c'est tellement serré, j'en ai marre. Ah, j'ai pas vu le ah bah, Mishmush. Context, Mishmush il s'est quoi planté. Mishmush a 5 places de pénalité. Oh bah en fait j'ai vu qu'il avait qu'il est fait ta queue dans la chicane mais je pensais ah, que il y a une collision avec Street Lourd.
D'accord. Ah oui, j'ai vu qu'elle a fait un tête à queue. D'accord, oui, ils sont accrochés en fait. J'ai pas compris. Bon bah je gagne une D'accord. place donc. Je suis 14e. Qu'est-ce que c'est nul! J'avais pas eu le out of context Sergio Perez avec Helmut Marko que tu as liké. Oui. Pas mal. Ah oui, gros Jean qui ne fera pas Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tweetos? Une fraîche, we don't say 18 s'il vous plaît, but je vais vous en prendre 3 demi-douzaines. Ah oui, c'est vrai, c'est rigolo. C'est drôle. Ah, nouveau turbo, nouveau moteur pour Lando Norris qui partira en fond de grille. C'est bon pour Renault, ça. Ça vient de tomber. Dépêche AFP. Alors il me dit de faire tendre, médium, médium. Ah ouais, non, c'est bizarre ça. Oh, Ah non, ah moi j'ai plutôt. Ouais, t'as. Non, plutôt médium. Médium, tendre, tendre, tendre. Enfin, c'est ce que tu disais toi, je crois. il dit que je perds 10 secondes si je fais ça. En vrai, les médiums, faut pas les regarder trop longtemps. Oh là là, je ne sais pas, mesdames et messieurs, suis-je perdu? Pourquoi je perds 10 secondes? En plus, il y aura probablement un safety car comme d'hab. Parce que si je fais médium, médium. Ah, si je fais médium, médium, tendre, tendre, il me dit que je suis en meilleure posture. Et que je perds moins de temps. A-t-il Ah, raison? médium, médium, tendre, tendre, ouais, pourquoi pas. Ça me paraît bizarre, tiens. Médium, médium, tendre, tendre. Ah, mais tu fais trois arrêts quand même. Oh. Tu veux que j'enlève un médium? Ou un tendre? Off. Ah, je gagne du temps, Moi, effectivement. j'hésitais entre médium, tendre, tendre, tendre ou médium, médium, tendre, tendre, ouais. Je gagnerai 2 secondes après le jeu, j'en doute. Moi, Ouais, si mais les c'est ce qu'il me tendres, dit par t'as les défaut. garder. Par défaut, il me dit ça. Hein. Il me dit médium, médium, tendre. Mais c'est nul. Attends, c'est deux ou trois arrêts là? Mais attends, les médiums, ils sont nuls. Je commence en hard. Non! Ouais, c'est compliqué les stratégies, hein, je trouve parfois. Hein, parce que là, je suis paumé. Double easy, c'est barré, bah tiens. Du serveur. 15 secondes sur les softs, c'est assez beaucoup, normalement, de souvenirs, quoique. Peut-être faire durer un peu plus cela. J'en sais rien. En vrai, là, c'est. Le truc ici, c'est que les stands, tu perds pas beaucoup de temps, tu perds quoi, 15 secondes? Même pas? C'est vrai. Quoique 15 secondes. Oui. Bon, bah, je tente un médium, médium. Tendre, tendre. Suis pas convaincu, mais bon. De toute façon, on va Non, voir non, ce qui moi va je se tâtais passer. entre ça et médium, tant, 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 mais entre les deux, je sais pas. Après, j'ai pas le jeu, hein, donc je Non sais pas plus, très j'ai bien. pas le jeu. J'en ai pas le jeu. Comment t'as pas joué? Tu l'as volé? Il est tombé de la poche Hamilton et Tifor l'a Merde, j'ai oublié récupéré. d'enlever la wifi de mon portable. Voilà. C'est honteux, c'est honteux. Tu vois, j'ai vu un véhicule avancer à côté de moi. Bien, les Un score qui vérifications n'avance continuent. pas, magnifique. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Faites
Ah, ça y est, ton tour m'a se lancé. Attends, en plus, Enscorp, c'est celui qui est en face de moi, donc j'espère que le mec n'est pas déco. Non, c'est bon, il est reparti. Bon, il lague pas, a priori. Je sais pas, il bougeait pas, donc... Ah, il bouge pas, pourquoi ça, c'est encore... Tiens, le Poleman... What? Alors, le Poleman a mis... Il a mis 3 tendres, puis médium pour finir, ou hard. La stratégie du leader, là, il vient de l'afficher, là. Après, il part en tendre aussi. 3 tendres et un médium. C'est ça. Enfin, c'est le truc affiché, hein. Je sais pas si c'est ce qu'il fera vraiment, mais... C'est le truc Amazon. Compliqué, hein. Y'a qui est en soft dans les derniers, là? Alors, tout le monde est en médium, sauf Enscorp et Rulio. Ah. Dans la seconde partie, on va dire, hein, les 7 premiers, enfin les 10 premiers, hormis Articon, sont en temps. Et toi, c'est en gros, sur toi, c'est Rulio et Enscorp qui sont en temps. Non. Et c'est qui le premier? Le premier en médium? Oui. C'est Articon qui est 8ème devant Killer qui est 11, pardon, et Sabot. Au départ, on est en retard comme ça. Ouais, pourquoi tu brouilles là? Quoi, moi? Oui, ça fait. Oh, bizarre. Attends, c'est parce que je. Là, ça brouille. T'as mis où ton micro là? Tu l'as mis où? Vas-y, t'as fait quoi là? C'est bon là. Mais il t'écoute mon genou. Non, j'ai mis dans mon slip. Ça, c'est pas vrai. J'ai Cyril devant moi qui fait. Ah, il est pas devant moi donc ça va. C'est Scorp qui est devant moi. Oui. Mais Cyril fait. Oula, Cyril, ouais, Cyril il lag. Hein. Ouais, il a une très mauvaise connexion, Cyril. Hein. Pour il y a une 3 barrés sur lui. Bah, il est devant moi aussi donc c'est cool que je me le prenne. Bon, arrête avec ton micro là, qu'est-ce que tu fais? Bon, je l'enlève. Étrange quand même que t'aies un problème de micro. Ouais, mais si tu enlèves, moi je t'entends plus. Qu'est-ce qu'il fait, Enscorp? Et allez, je ramasse des bouts de débris. Tu peux me parler vidéo parce que, quand même, sinon je ne peux pas t'entendre. Bah, super, on a un bon début de course. La vidéo, mais reviens! Mais c'est pas possible! Attends, allô? Oui. Putain, t'as une vidéo mais reviens, c'est ça, non? De quoi? Mais attends, je suis pas fou, j'ai entendu mes vidéos reviennent. Ah ouais, bah oui. Ah mais c'est ça, je suis pas fou. Parce que j'ai le live avec Plano qui commente et Bruno. Et puis d'un coup, j'ai un mec qui dit... Mais c'est qui se sont plantés, là? C'est qui se sont plantés? C'est qui se sont plantés? Articon et Killer, Articon et Killer, mais ils ont juste cassé leur aileron. Ouais, Killer qui a cassé son aileron, Articon aussi a priori. Il y a Blaster qui a coupé pour doubler Baxter. Ah mais tu m'as tué. Mais comme le micro grésillé, mais j'ai rien fait en plus le micro grésillé. Du coup dans le dos je l'ai coupé, j'ai dit bah j'enlève le micro. Comme ça si Fox sera concentré, enfin je veux pas la... voilà, je veux pas... Si tu poses pas, ça sert à rien de toute façon. Mes vidéos, mes amis. T'es deuxième des médiums du coup, derrière Samolo. Il n'y a que des tendres dans nous. C'est ça. Articon, Cyril Scrat et Killer au stand. Les trois. Bah, dis-moi si ça grésille, mais normalement, moi non, je touche là, rien. Bon. Alors, je sais pourquoi. Bah, c'est je sais trop pas, bizarre. Des fois, tout ça à l'heure, j'ai pas compris. Bah, moi non plus, c'est juste... Mais quand t'as rebranché ton micro, ça marchait parfaitement. Donc c'est ton micro qui était mal branché. Tant mieux. Bah, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il commençait à être vieux. Je pense qu'un de ces cas, je changerais, je n'achèterais un. Non, ouais, je peux mettre mes écouteurs, mais normalement ça marche pas. Attends, je vais essayer pour être sûr. Je vais essayer 2 secondes. Ah, je vais bien voir si ça marche ou pas. Attention, si ça marche pas, ça... je vais t'entendre sur la télé. Attends. 2 secondes.
t'entends pas, hein. Si tu penses que je t'entends. Le DRS est maintenant disponible. Reviens. Alors là, je t'entends. Ça marche pas. Bon. Oui, bah là j'ai remis mes écouteurs PS4. J'avais essayé mes écouteurs standards. Les écouteurs. Hey, en plus, les écouteurs Sony, c'est quoi cette arnaque? Sam Molo est collé à une, ouais, il se bat avec un sport, donc ça c'est bien pour toi. Alors les trois qui ont cassé leur aileron ont tous mis des médiums. Ah, t'as 4 secondes sur. Ah, mais c'est bien, t'as Dafrod derrière toi là, t'es pas pire que lui. Moi, tant mieux. En plus, t'as Dafrod, il retient un rouleau pour l'instant, donc c'est parfait. Son coéquipier, mais... Oui, plutôt oui. Il fait une Ocon. Son rouleau est en tendre, c'est pour ça que je dis ça, c'est ça qui est étonnant. C'est vrai que là, rouleau. Tout le monde est en médium derrière toi sauf rouleau. En fait, y a pas beaucoup de médium. Si quand même, mais les 3 qui sont arrêtés pour changer leur aileron, plus 5, ça fait 8. Ouais, quasiment la moitié en fait. On va voir une scorp se planter. On te suit sur fuel. Ah, on va peut-être voir une scorp devant, tiens. Ah non, on te suit plus. C'est quoi cette réalisation à la mort moelleux? Stack a cassé son aileron qui rentre au stand. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça. Ah, c'est ça. Il peut gagner une place normalement. Ouais. Il repart en médium. Allez, 3 secondes déjà pour aller. Ça, c'est à la vite, en 5 tours. Bon, il est devant. En fait, je trouvais ça étonnant que personne n'avait encore de pénalité. Ah, Booby, 3 secondes également. Allez, c'est parti. Booby, lui. Mais ils se battent en plus. Blaster, 3 secondes. Bon, enfin, je ne comprends pas. Desk et double niche. Ah, c'est derrière toi, ça aussi. Scorp, il a du mal, hein. Pourtant, il est entendre. J'ai pas l'impression que les temps soient plus efficaces. Il... Ah, c'est vrai qu'il est collé à lui. Et il y a Joe McKenzie pas loin. Bon, après, les 6 premiers. Pas de vitesse de pointe, moi c'est pas possible. Ah, on te suit en plus, on te voit en direct.
Ah, Dez qui a doublé Rulio. Non, mais ça non, mais non. Denscore, putain, il m'a pété l'aileron. Il m'a fait. Oh attends, peut-être le voir en direct. Ah merde! Oh! Dégoûté. Ah, elle est encassée. Ah, on l'a vu en direct. Bon, ça va, il est vers bouteille. C'est pas grave. A priori, c'est pas si grave en tout cas. Bon, t'as pas perdu de place. Hades a doublé d'air en plus, tiens. Ah bah non, c'est ce que dit Bruno, tiens, il dit que ton aileron a pas été touché, enfin, visuellement. Toi, tu vois mieux. Stock, 5,6 secondes. Michel au stand, du cassis sur le rond. Mais je suis pas en médium. Mais il est en médium, je pense. Pour ça, je pense qu'il a dû casser parce que pour que ça, au bout de 6 tours avec des médiums. Il y a Maxta qui remonte comme une balle. Je m'attendais même au 20ème tour, apparemment. Ouais, et Mich qui met des hards. Stratégie qui coûte. Comment ça, stratégie qui coûte? Bah, hard, c'est quoi? C'est mal. Oui, c'est la stratégie qui ne fonctionne pas. Mais. C'est ce que je dis. Qui coûte, lol. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait mis des hard et qui avait fait une belle course. Ça sera. Bon, en tout cas, tes chronos ont l'air pas mal. Il faut jouer au prochain tour, mais... Aucun avertissement pour l'instant, donc ça va, je touche du bois. Ah, t'en as pas eu quand t'as accroché... Oh, bah tant mieux. Mais non, pourquoi j'aurais un avertissement? Enfin, je pense pas. Je sais pas, des fois, quand tu sors de la piste, lui, il considère que t'as coupé alors que t'as perdu le temps. Mais... C'est pas comme si j'avais coupé comme un gros porc, j'ai juste... Bah oui. J'ai pas coupé. Oui, je suis d'accord. Et 3 secondes pour Killer. Pour Alonso. Putain, je frôle. C'est quand qu'ils doivent s'arrêter les softs? Ouais, je sais pas trop. T'sais. Ouais, ça dépend quelle stratégie ils font. S'ils ont envie de les pousser jusqu'au bout, ils peuvent s'arrêter après moi. J'ai déjà moins de 20 tours. A priori, j'ai à 15 fois. Ouais. 15-20 tours à peu près. Et 3 secondes pour Neomab. En fait, c'est tous les premiers qui ont des 3 secondes. Quasiment. L'objectif carburant est à plus 1. Passe à un régime moteur supérieur. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes. Ah c'est ça, tu reviens progressivement. Ouais, t'es dans les temps d'Endscorp et dans les temps de... Enfin non, c'est Maxta, ouais, lui, le meilleur tour, oui, enfin de Days plutôt. T'as pas l'air de perdre du temps avec ton aileron là, ça va. Le truc c'est est-ce que je le répare ou pas. Ah. Ah, c'est mieux que moi après. 3 secondes pour Samolo. Ah, ça c'est bien. Bon, je pense que les temps de Denscorp sont en train de s'effondrer. Ah oui, il s'est fait un peu lâche. Il perd un peu de temps, pas de ouf. Alex, en bombe. Il a 6. Thank you.
Enfin, vous êtes toujours. T'es toujours proche de la 7ème place, hein. T'es à 3. 4 secondes de la 7ème place, toujours. Ouais, c'est ça. Booby qui a doublé Alex pour la 5ème place. Oh putain, je fais n'importe, avertissement. Bah tiens, il dit le jeu dit de s'arrêter entre le tour 13 et 24 pour les tendre. Ça devrait pas tarder à s'arrêter. 3 secondes pour Neoma. Ouais. Il n'y en avait pas déjà 3 Si, bah ça fait 6 maintenant pour lui. Ouais, bah là c'est n'importe quoi. Hein. Rolio, 3 secondes. Il y en avait déjà tous les jeux. Non, il n'y en avait pas lui. Days, 3 secondes. Ah, Death qui est toujours à... Ah oui. 5... Ouais, qui est toujours à un peu plus de 6 secondes. Hein. Tu prends la cadence avec lui. Hein. Et tu reviens sur un score. Ah, t'aurais toujours bon. Et Celestrat, 3 secondes. Il y a Max qui revient, ça c'est normal. Un hein. Score, il ne devrait pas tarder à s'arrêter normalement. Ouais, j'espère, je sais, je pense à tête. Les 4 premiers sont collés, hein. C'est vraiment bon. Encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Ah, on suit Maxta, ça y est, derrière toi. Ah bah voilà, il t'a passé, j'ai pas fait gaffe. Alex au stand, premier à s'arrêter avec les tendres. De 13 tours. Straight lourd, 3 secondes. Ah c'est ça, Alex il a changé. Il avait pas questionné le rond, il a juste changé de pneu, c'est tout, 13 tours. Il met des médiums. Virage encore, putain!
Oh, les 4 premiers s'arrêtent en même temps. Et drive trop pour blaster. En même temps quoi. C'est tous collés les uns aux autres et ça tous en même temps. Oh putain, j'ai failli me choper une pénalité, je me suis même pas chopé. Ça c'est du bien joué. Ils repartent tous en médium, sauf très lourd qui a remis les tendres. Et ce booby au tête du Grand Prix, incroyable. Ah ok, ils vont repartir juste devant toi là. Attends, t'es où? Ah oui, t'as fait que manger Street Lourd. Alors attends, c'est qui a mis des softs là? Il y a Street Lourd qui a remis des softs, mais à part ça, ils ont tous mis des médiums. Ouais, c'est Street Lourd qui fait pas la même. Mais ils sont tous arrêtés devant toi là, donc à mon avis, ils vont aller plus vite là. Ouah, ouah, c'est chaud! Non, c'est serré devant, la vache! Ouais, c'est chaud, hein! Je dis rien, mais c'est ultra chaud! Y'a Max Tack qui s'est pas arrêté aussi, il les gêne! C'est méga chaud! Donc, ils ont fait 15 tours avec leurs tendres. Ouais, les tendres s'arrêtent. C'est pour qu'ils s'arrêtent. Zboubi qui s'arrête plutôt. Ah, tous les tendres se sont arrêtés. Ils ont fait 14-15 tours avec leurs tendres. Sauf Rulio, il n'y a que Rulio qui s'est pas arrêté. Inscorp vient de le faire. Ah, Neomab en tête, on est bon. On va pas pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine un tour d'avance sur nos prévisions. Il va falloir que tu passes au mélange 2 bientôt. Putain, par contre, je suis vraiment mélange riche. Faut que j'arrête. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Alors, est-ce que je chausse des médiums ou des tendres maintenant, moi? Ah! Tu vois, c'est dans deux tours que je suis censé m'arrêter. Tendre, ça va être un peu juste. Je sais pas si tu dois pas mettre des médiums à nouveau. Pour finir après en tendre à la fin, 15 tours. Est-ce que si tu mets des tendres à chaque fois, il faudra que tu fasses 20 tours avec hein. Jolie manœuvre, bien joué. Si j'ai pas de bêtises, un peu moins, ouais, un peu moins de 20 tours, ouais. Tu peux mettre des tendres, ça va être un petit peu juste. Tu peux mettre des médiums, tu seras plus tranquille, je pense. Je pense que c'est ça l'idée. Beau dépassement, et Tifa qui parle et en même temps il double sa mollo. Oh là 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 là. Ah, sa mollo qui tente l'undercut. Ah oui. Ou alors il a cassé son aile. Attends, tu me dis si sa mollo il a pété son aile ou pas. Je vais voir s'il le montre, mais là il le montre pas. Il le montre pas, c'est idiot. Ah, j'ai pas l'impression. Bon, on l'a pas vu, mais pas le sentiment qu'il l'ait cassé parce que j'ai l'impression qu'il a fait un arrêt pas long. Bah, il repart derrière une Scorp, cela dit. Mais bon, après, avec l'undercut, c'est possible. Ah, il est reparti 6 secondes derrière une Scorp. Ouais, peut-être qu'il a cassé son rond. Hein. C'est quand même 7 secondes derrière une Scorp. Je pense pas qu'une Scorp il va si que ça. Ah, peut-être qu'il l'a cassé, hein. La question aussi c'est est-ce que je répare le mien avec la voiture qui nous précède est de 1,5 secondes. Franchement, t'as un bon rythme quand même, hein. J'ai pas l'impression que ça te. Tu pourrais presque le garder. Hein.
un tour pour me décider. Là, tu risques de retourner derrière Enscorp et Samolo, quoi. C'est ça le risque. Enfin, Enscorp, c'est dit, il va être devant toi, Enscorp, hein. Mais c'est plus Samolo. Après, tu peux changer pour être tranquille, mais bon. Soit tu le changes et t'es derrière Samolo, soit tu le gardes et tu restes devant Samolo a priori, mais bon, derrière Samolo, il y a 5, il y a 12 secondes avec Scrat, donc au pire, c'est. Ouais, c'est. Il est en quoi, Samolo? Samolo, il est en médium. Tout le monde est en médium en fait. Sauf Straight Floor. Il est au médium. Ouais, ils ont tous mis des médiums, ouais. Sauf Straight Floor, mais bon. Je sais pas si c'est. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Moi, je tenterai les médiums à nouveau et tendre à la fin. Est-ce que je change l'aileron? Il est orange, enfin, il est jaune. Si tu le changes, tu perds pas, enfin, tu vas perdre une place en fait, mais c'est plus le temps que tu perds pour en seconde. Pour le. Ah, c'est mieux que moi. Quoi. Oh non! Quoi? J'ai pas eu de pénalité? J'étais à 82 km/h dans la voie des stands et ça m'a pas compté comme étant une pénalité. Tu me dis si tu vois une pénalité. Ouf. Chez moi? Là, j'en vois pas. Bah, il me change les longs de toute façon. Donc, je pas vois logo stand. C'est tout. Scrat après 3 secondes à nouveau. Mais je vois pas. Je pense que le jeu, il m'a pas montré la frame d'après où j'étais à 80, mais c'était juste. Bon, bah finalement, j'ai changé les longs. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux. Bah, normalement. Normalement, tu vas pas perdre de. Enfin, c'est, comment dire. Tu vas juste perdre une place et tout. Tu vas pas perdre. C'est pas comme si tu te faisais doubler par 5 personnes le fait de changer les longs. Quoi. Donc c'est pas une mauvaise... Je pense que c'est mieux. Ouais. Je sors juste derrière Samolo. Ah mais c'est ça. C'est ce que je pensais. Là je pensais, hey, je pensais que tu serais plus loin que ça. Ça je suis étonné, tiens. Là, comme quoi. Ah mais c'est que Samolo il est cassé sur le rond aussi en fait. Hein, c'est ça. Hein. Il est tous les deux cassés. T'as... Ah, 3 secondes, Samolo. Il y en a 6. Et toi, t'as pas de drapeau, t'as pas de pénalité. T'en as pas du tout, hein, je confirme. Oui. Il y a pas eu les créteaux, il y a pas le symbole non plus, il y a rien du tout. Donc, tant mieux. L'air froid est encore et s'est pas arrêté. Il a l'air d'être en face de nous. L'air froid ne s'est pas arrêté, non. Il est en médium. De gestion du carburant à donf là, parce que j'en ai creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Ah, mais j'arrive pas à doubler dans la grande ligne droite, je sais pas pourquoi. Ah, c'était prêt pourtant. Là, ici, j'arrive pas. Là, il m'échappe tout le temps. Ah, t'es pas en live sur le stream, mais je vois l'écart là qui était descendu à 2 dixièmes. Ouais, tellement serré devant. Oh là là. 4 premiers, là, les 5 premiers. Bon, j'ai évité de doubler, il y a des reports juste devant. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait, Samolo? Allez, double-le, Samolo, je crois en toi. Je vais te laisser le doubler en premier, je pense, parce que sinon, ouais, il y a un carambolage. Roule aux 3 secondes. Je crois qu'il y en a 6, lui aussi, moi. Oh.
Il n'y a pas beaucoup d'écart, on est à peu près tous ensemble là jusqu'au 10e, là, jusqu'à Inscorp. Là, il y a. Oh là là, tranquille. Ah bah oui, mais Dark Froid, il s'est arrêté aussi. Il fait, oh, c'est le petit Floyd derrière moi, c'est un ami! Je reviens donc sur Samolo cette fois-ci là. Un petit peu tassé mais bon. Ah! C'était en direct? Bien joué! Bon, on le voit pas en live mais je vois le classement. Boum. Treizième, c'est ridicule ma position, j'ai même pas fait gaffe. Non, c'est pas mal, il y a Death devant qui s'est pas arrêté encore. Ni Articon et Killer, mais bon, ils vont plus vite. Mais Joe McKenzie, t'es pas très très loin. Donc Joe s'est pas arrêté non plus. Vient de Killer, s'arrêter. Il s'est arrêté, enfin, il s'est arrêté au premier tour, voilà. Killer et Articon, ils se sont arrêtés au premier tour parce qu'ils avaient cassé la roue. Ils sont nuls. Ils sont pas. Enfin, ils. Ouais. Mais s'ils sont arrêtés au premier tour, ils vont tous s'arrêter là, non? Ils sont déjà arrêtés, mais du coup, ouais, ils vont pas tarder là, parce que Articon il a plus de. Bah, Alonso il s'arrête. Les deux là, ils ont plus de. Ils ont moins de rythme là. 22 tours avec les médiums, ça semble. Ah bah voilà. Killer en stand. Et remet des médiums. Ah non, mais tu me dis, c'est logique quoi. Ouais. Ah, presque une dette. Bon, allez, je vais faire un petit thé moi. Je reviens. 2 minutes. Quoique, je peux presque débrancher la manette. Ouais, non, mais tu vas entendre. Tu vas entendre la flotte. Oui, bah, tu peux débrancher ici. Et je reviens. Oui. Salut. Voilà. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,5 secondes. Quoi? Quoi? Non mais j'ai pépé l'autre qui allait laisser allumer son micro. Parce que ça paraît rarement de dépenser 1 000 euros dans le mois, mais bon.
Moi je sais que j'ai de la marge, hein. Je sens que j'ai de la relevée parce que voilà. Je trouve que dans ton compte c'est écrit sur internet, tu peux voir un peu les dépenses en moi et ta limite. T'as une limite CD, t'as une limite CD et une limite de paiement international. Voilà ma carte, tu regardes ma carte et normalement c'est écrit. Ah bon? Mes comptes, si tu regardes ma carte, c'est écrit. Ouais, je une seconde par tour sur la voiture de derrière. Ah non, je me fais guider. Bon, moi, c'est vrai que le poids, je suis moins. Je sais que je suis moins souvent. Bon, c'est un peu comme des nuages, mais c'est vrai que. Bon, mais tout je me dis. Bah, ça sert à rien d'avoir plus, hein. C'est payant, hein, c'est. Et si tu dis à la banque, bah, je voudrais avoir 300 euros de découvert, mais faut payer plus que les frais de soins, hein, chaque fois. Parce que c'est sûr. Moi c'est pareil, 400 euros c'est tout là, mais en tout cas ça sera pas des couverts. Moi je suis jamais des couverts, ça sert à rien de plus. Hein. La terre des couverts c'est utilisé, non voilà, 400 euros c'est pareil. Hein. Bah, c'est les mêmes cartes, mais je suis plus, il faudrait que je pense que je peux faire. Bon, mais je vais passer. Bah, je sais plus, je sais qu'à droite c'est écrit ma carte là. Vous me laissez là? Non, je vais aller dans le lavabo. Oui, c'est bien. Et allez, première pénalité. On sera déduit de notre temps à la fin de la course. Putain. Oui, bah c'est étonnant, c'est normal ça. Enfin moi, c'est comme la HD, hein. La 4K maintenant c'est démocratisé, tout le monde en a. Hein. Sinon ça va bien vidéo? Je t'entends hein. Oui, c'est aussi, ça m'étonne pas trop. Il m'énerve. Au secours, il m'entend ou pas? Oui. D'accord. Bah très bien. Oui, bah très bien. Bon allez, je te laisse, bon bah très bien, allez. Ok, et eh bah très bien, allez salut. Allez, ciao. Je crois que t'avais coupé ton micro. Quoi? Je crois que t'avais coupé ton micro. Ah bah oui, merde, je suis à côté de la manette, comme t'as dit. Non mais JPP. Attends ce que je dis, tu répètes rien. Hein. Non, je rappelle que je suis en capture. Hein. Oh là, mais c'est pas grave. De toute façon, on entend oui, machin. Ouais, bah, du coup, ouais, bah, tant pis. Par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé un virage, j'avais une pénalité. Oui, j'ai vu ça pendant que je téléphonais là. J'ai vu une petite flamme 3 secondes. Ah, c'est pas bien. Et non, mais j'ai même pas coupé le micro, j'ai juste posé la manette. Bah oui, bah justement. Pour ça. Pourquoi t'as pas coupé le micro? Et bah tant pis. Et bah tant pis. Alors, 10e, ah bah t'es revenu sur une score. What the fuck, j'ai fait le meilleur secteur 2. Loul. Alors, une score n'a pas de pénalité pour l'instant. Je McKinney non plus. Zboubi 6. Tamolo 6. Adesia 3. Killer 6. Seconde plus vite que la voiture de devant, continue. Ah si, vous revenez sur Joe McKinsey, c'est bien ça.
Oh non. Bon, tant pis. Avertissement. Ah, tu as doublé. Ah oui, le petit cut. Bon, moi t'es passé. On va voir plus que la 8ème place, ça va être compliqué. En vrai, il y a encore des gens derrière moi, donc. À cet objectif 8ème. Hein. Et ce Booby qui est 7ème, s'il pète un aileron ou Alex aussi. Bah, c'est vrai que ce Booby va péter un aileron, donc ça va. Puis il a 6 secondes, donc. Et il est pas loin d'Alex. Hein. Mais Joe McKenzie, t'es dans 7 ans, hein. T'es à 6 secondes de lui, c'est pas fait. Hein. En plus, lui, il a. Alors lui, il a pas de pénalité, malheureusement. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Et on l'a vu en direct, le dépassement sur une scorp. Petite minute de gloire. Merci. Putain, je fais des drifts maintenant. C'est moi que je m'arrête, c'est 41. Il me reste encore pas mal de tours. Ah oui, encore 9 tours. Ouais, ouais, c'est ça, 41. Comme ça, tu feras 2 stints en tendre. 15 tours chacun. Ah, Tiflor en direct. Tu fais le gap avec Elskar. Ah non, c'est ils ont changé. Pour l'instant, il y a zéro abandon. Hein. Passionnant. Tiens, Max au stand. Max qui met des tendres. Ça, c'est étonnant. Il est loin de moi, Max. Stand. Ouais, ça va être foutu. Ah, il va repartir juste devant toi, mais en pneu 9. Juste devant, j'exagère même. Même devant, tranquille. Oh putain, j'ai failli toucher le mur des champions. Un peu de concentration. Tu veux me passer un petit peu d'eau? Je vais d'ores sèche. Tiens. Vous allumez la lumière, je vois rien. Hop. Faut chercher un chocolat ou quoi. Petit chocolat. Alors, Cyril qui s'arrête. Attends, je remets mon oreillette, moi. Hop, voilà. Pilote devant. L'écart avec la voiture qui te précède est de. Joe McKenzie qui a 5 secondes. Il a des pneus de 17 tours. Il n'a pas de pénalité. Ah, Alex qui change le rond. Et met des hard, Alex, pour aller jusqu'au bout. Bon, bah, il a perdu. Une place de gagner. Ah! Et il repart derrière une scorp en plus. Notre retard avec la voiture. Et derrière sa molo. Ah, parfait. 5, ah non, j'ai une connerie. Devant sa molo. En vrai, là, vu que je suis en mode agressif total, il faut vraiment que j'aille assez souvent au stand. Parce que là, ça commence déjà à glisser. Je suis à combien là? 27%, ça va. Ah, mais là, c'est à 9 secondes en plus. Ah, c'est bien.
Alex a déjà doublé le score. Allez, ça commence à glisser. Ah mais 9 secondes Alex, mais il est nul. Oui. Oui, il est nul. Oula, Blaster qui prend 5 secondes. Enfin ouais, non mais il est loin devant. C'est moi, il y a quelqu'un au stand. Oui, Blaster. Il fait une pénalité. Et qui change son aileron. Putain, mais il est donc. Pénalité, changement d'aileron, changement de pneu. Oula, de qui? Blaster. Oula, 14 secondes Blaster. Ouais. Ce n'est plus l'homme fort qu'on avait. Il avait 19 secondes, mais il a fait une pénalité, donc il n'a plus que 14. L'écart avec le pilote de devant est de 4,7 secondes. C'est inquiétant, Alex revient sur moi avec ses hards. Ah, il va plus vite, hein, il était devant toi. Ouais, c'est vrai qu'avec les hards, toi, c'est surprenant. Hein. Il a fumé une sport. Après, mes médiums commencent vraiment à perdre de leur adhérence. Ouais, bah encore 3 tours, 4 tours. Non, j'ai ralenti là, pourquoi une pénalité? Putain. Mais quel connard ce type! Là, faut plus que je coupe un seul virage, sinon c'est repénalité. Pas compliqué cette histoire. En vrai, je pensais en avoir beaucoup plus, hein, sans blaguer. Mais pas le fait que Joe autres, McKenzie n'en est pas, c'est un peu embêtant. Ah, oui, il roule bien Joe McKenzie. Et tu reviens sur lui quand même, hein. Bah oui, mais lui il fait tout pour pas avoir de pénalité, je pense. Oui. Parce qu'il n'est pas mon corps. Enfin, j'essaie quand même de prendre le moment. Tu perds un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. Donc là 38, 39, 40, 41. Ça fait 4 tours. Oui, il faut s'arrêter au 40-41, ouais. Bah comme ça après ça sera 30 tours, tu feras 2 fois 15 avec les temps, je pense. Oh, mais attends, mais McKenzie, ça s'est effondré il a 3 secondes maintenant. T'es pas à 4 secondes et quelques avant. Je pense que moi j'ai mes pneus qui s'usent, mais McKenzie c'est pire. Hein. Bah, tu l'as mis 7 dixièmes dans le tour, ouais, il était à 3-9. Effectivement, j'ai pas fait gaffe. Bah, lui il a 4 tours de plus avec ses. En fait, il est comme toi, hein. Il a 4 tours de plus avec ses médiums. Attends, moi aussi j'ai 4 tours de plus ou c'est lui qui a 4 tours de plus sur moi? Bah, lui est 4 tours de plus, il a 21, toi t'as 17. Mais il avait des tendres au début, McKenzie. Au départ, ouais. Il a fait tendre, médium, médium. Tendre, médium, médium, comment ça? Tendre, médium, pardon, je dis une connerie. Je suppose qu'il va mettre tendre, tendre comme toi, enfin, ça sera logique, je pense. Ou alors les hard jusqu'au bout. Je sais pas. Ah, il a repris là, j'ai l'impression. Ah oui, un peu, il a repris un petit peu. Il a repris 3-4 dixièmes. Y'a pas de crash aux environs là ou... Ah non, j'avoue. Putain, y'a ce truc lourd, t'as fait 24 tours avec ses tendres, je suis étonné. Le 3ème. Ouais, c'est faisable, mais c'est pas conseillé puisque au bout de 24 tours, ils ont plus de. Enfin, ils sont plus du tout compétitifs. J'ai déjà essayé et puis ils s'accusent de partout, c'est un enfer. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Les tendres, c'est 15 tours à peu près, hein. 15-20 maximum, ouais. 2 tours. Ouais.
Et j'ai F1 Alex derrière moi. Ah, alors je peux tenter de m'arrêter au 40e tour. Ah, c'est pour ça que tu me dis l'accident, c'est un pot jaune. Je pense que c'est non, j'ai rien vu moi. Je disais juste est-ce qu'il y avait des potentiels accidents à venir. Non. Ah, c'est une course très clean. 3 secondes pour Samolo. Qui est à 9 secondes maintenant. Qui est à 3. Il fait comme Monaco. 6 secondes de plus que toi. Samolo avait fait 12 secondes à Monaco, ce qui est assez étrange. Non, quoique Monaco, c'est vrai que c'est facile de couper après le tunnel. C'est grâce à ça que je l'avais vu. Donc Samolo, c'est plus une menace. Ah, mais Samolo, il est proche de moi là, non? Il est à 4 secondes 5. Et il a. Même stratégie que toi, même un peu plus de pneus. Mais il a remonté sur moi, non? Ah, je sais plus, putain. La fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir. J'ai Rulio derrière moi, c'est normal? Ouais, Rulio il vient de s'arrêter, ouais, il a mis des tendres. Mais il est derrière moi. Ah, mais il a un tour de retard sur toi. Il est temps. Il remet des temps, il était en quoi là? Il était en médium, je crois. Hein. Il était en médium. Donc là, il met des temps. Ah, bah c'est Stretlo vient de s'arrêter, il met des médiums. Ah, il va tenter jusqu'au bout avec. Tu m'étonnes rien. Ouais, il est loin de toi, attention. Pépé, j'ai fait me prendre Alex qui se met juste devant moi, devant les stands. Oh. Ce n'est pas grave. Et Mackenzie qui s'arrête pile en même temps que moi. Ah bah voilà. Ouais, bah de toute façon, il avait 4 tours de plus. Mais il met des médiums, donc je le nique. Facile. Par contre, je sais pas qui y aura derrière moi. Ou devant moi plutôt. Alors peut-être Articon. Mackenzie qui va se battre avec Articon là. Non, Articon qui reste derrière. Il est un peu dur Articon. Mais bon. Oh bah je le nique. Bah il y a Fred, il est loin derrière toi. Bah je nique tout le monde là. Allez, c'est parti, parti nique là. Ça veut rien dire mais... Par contre, ça veut dire qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout Joe à mon avis avec ses pneus médiums. Possible. Ouais. Bon, je pense que c'est mieux ce que tu fais. Non, je vais pas y arriver. Mais une Articon qui me laisse limite passer, mais quel fair play! Ce n'était pas nécessaire. Par contre, j'ai plus d'essence là. Vous êtes pas loin de Enscorp, tiens. Mais Enscorp va s'arrêter. Ah bah c'est, voilà, il s'arrête, parfait. Samolo aussi, parfait. T'auras personne devant, c'est nickel. Articon, 3 secondes. Boum, il fait sans passer. Combien de tours moi? 55. Oui, c'est ça, logique. Pour 55, ouais, pour s'arrêter. Ouais. Et Samolo a remis des tendres, hein. Donc il est comme toi. Parfait. Et Scorp a mis des médiums par contre. Ah, c'est vrai qu'il y a des nuages qui sont ramenés. Tant qu'il a fait son frère. Ça passera pas. Ça passe. Oh la vache. Oh la chance.
J'ai failli péter l'aileron. Oh, qu'est-ce que je fous? Je ne sais plus. Ah, j'ai un avertissement en plus. Non! J'ai pris un débris. Énorme. Il y avait un débris juste en face. C'est parfait. T'as pas... Bah, je suis crevé. Ah, t'as crevé? Oh merde. Putain, mais comment t'as fait? Ah, oh, débris, putain. Oh là là. Ah, le drapeau jaune. De toute façon, je me prends des bribes, ben, quand même. Tant pis. Ah ouais, c'est on te voit, là. Oh là là. Oh, plus au début du tour. Oh, putain. Non, là, je vais sur le forum, je vais me plaindre. Il y a un débris sur la voie, c'est dégueulasse, il y a même pas de drapeau jaune. Je vais porter plainte, là. Qu'est-ce que foutent les commissaires de piste? Je vois même pas quoi faire là, parce que si je mets des médiums, la stratégie est... Du coup, tu peux mettre des médiums pour aller au bout, hein, je pense. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Ah, c'est dommage. Sur Mackenzie, il a fait ça pour faire exprès, il m'a mis dans les débris. Que je ne pouvais rien faire. Allez, il va mettre à 3 à l'heure, je sais pas pourquoi. Il fait ça à chaque fois et puis après il accélère, j'ai l'impression. Et alors qu'est-ce que je mets? Parce que moi je n'ai même pas choisi. Il me dit des tendres usagés en plus. Médium usagé? Attends, mais mes médiums sont usagés. T'as pas des médiums neufs? Merde, j'arrive même plus à choisir. Enfin, 25 tours là. Ah merde, si c'est pas des médiums propres, je suis dans la merde. Bah c'est mort, ouais. Ouais, c'est mort et ils sont même pas propres. Non mais j'avais même pas le temps, je comprenais rien, qu'est-ce que j'avais branlé, j'ai mal configuré mes boutons. J'ai envie d'abandonner là. Les pneus rainurés devraient chauffer plus vite et te permettre ainsi de pouvoir attaquer plus tôt. Bon, ah, c'est fini à cause d'un débris. C'est vraiment nul comme course, que c'est... J'étais parti pour la 7ème place facile. Mais... Ah oui, ah, voilà, ça arrive. Super, allez, on perd des points au classement, j'ai que ça à foutre de toute façon, ça me saoule. L'objectif carburant est à moins 1. Il faut qu'on passe sur un régime inférieur. J'ai qu'à tenter une safety car. Ah bah ouais. Mais bon là, en vrai, je sais pas, je comprends pas. Ils ont dû mettre une safety car, je sais même pas pourquoi il n'y en a pas eu. Non mais là, ça m'énerve. Là, je suis pas content. C'est totalement gratuit en plus. C'est... Je vais essayer de continuer avec ces médiums là pendant un bout de temps. Puis je vais reprendre des softs pour la fin de course. On va faire comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit d'ailleurs en termes de. Il vient de m'arrêter au 54ème tour. Bon, on va faire comme ça. Allez, on suit la stratégie. Parce que je n'ai plus vraiment grand chose d'autre à tenter. En fait, c'est un peu comme Monaco, mais ça m'arrive à la fin du Grand Prix, donc c'est râpé. Pour remonter, ça va être compliqué. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Ouais, bah... En plus, il y a une Scorp et... Ah, drapeau jaune. Dommage. Non, c'est quelqu'un, c'est qui va se passer. Ah, en plus, t'es là pour le coup, t'y es pour rien, mais bon. J'ai vraiment pas de chance. Je sais même pas quelle stratégie j'adopte. Une stratégie agressive, qu'est-ce que je fous de toute façon. 54, c'est-à-dire qu'il faut que je 8 tours avec ces pneus. Est-ce que ça va tenir? Du coup, là, on est pas 13ème place. En plus, faut que je me réarrête, c'est-à-dire que là, la plus intégralité de mes concurrents ne va pas s'arrêter, mais je m'arrête. Là-bas, j'ai des médiums pour aller jusqu'au bout, là. Mais bon, c'est... je sais pas combien t'as de tours avec. Bah, beaucoup trop, apparemment. Tes pneus ont l'air en bon état. C'est le connard d'ingénieur qui me dit que mes pneus sont en bon état. Pfff.
Voilà, c'est foutu. Bah, une safety car, encore une fois. S'il n'y a pas de safety car, là, je ne peux rien faire. En plus, je crois que l'endroit de la piste en général, c'est pas un endroit où tu vas là où je me suis mis pour doubler Enzo McKenzie. Donc, c'est vraiment pas de bol quand même. C'était pas ça. Attends, je vais revoir. Non, si j'étais dedans en fait. Je sais même pas que c'était dedans. Je crois que c'était un peu plus loin peut-être, je sais plus. En vrai, c'est catastrophique. Là. Ah là 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 là. Pas bon du tout, c'est pas le classement. Ils sont combien Inscorp et Days? Inscorp est derrière toi. Ah bon? Il est 17. Ah bah il n'a pas de pénalité, mais il est derrière. Days est 9ème. Il a 9 secondes, donc il risque d'être. C'est pas dit qu'il soit dans les points, Days. Hein. Avec les pénalités, il bon, va ça être va, 10ème, c'est un moindre mal, on pourrait dire. Si mes principaux concurrents, Pollock n'est pas là. Days et Joe McKenzie. Mais bon, c'est pas ça. Moi, je voulais rattraper, je voulais choper la 8ème place. Là, j'avais largement moyen de l'avoir. Hein. Ah oui. Et Joe McKenzie qui est en lutte avec toi, il est 10ème mais il va doubler Dice donc il sera 9ème avec les pénalités. De qui est en lutte avec moi? Joe McKenzie. Il est combien? Mais attends, mais qui, dis-moi le top 10 là, Dice. Dis-moi le top 10 actuel. Neobab, Sta, Full Warrior, Street Core, Blaster 5, 6ème Alex, 7ème Zbooby, 8 Killer, 9 Dice, 10 McKenzie et 11 Samolo. Bah, j'ai même pas vu, t'es à un tour des points maintenant en plus. J'ai même pas fait. Ah bon? Même une bah, en vrai, quand je regarde Hardzikone qui a 41 secondes de moi. Apparemment, Scrat est à un tour de Hardzikone, ou alors c'est un bug du jeu, je pense. Scrat est à 12 secondes de moi. Hein. Toi, tu dis que t'es à 40 secondes de Hardzikone? Bah, y'a un bug du jeu alors. Parce que si je m'arrête et que je me retrouve. Derrière les leaders, je suis dans une merde totale. Voilà, moi c'est bugué le jeu parce qu'il y a une dicte et oui, un tour des de fois, Hardzikone. Le truc il bug. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas un tour de Hardzikone, il y a 42 secondes. D'accord, moi c'est que c'est bugué alors chez moi. En même temps, ça m'étonnait. Je me suis dit que. C'est des refrods qui me rattrapent, non mais. On aura tout vu! Ah, bah oui, tes pneus sont vraiment usés en fait, mais déjà, j'avais pas fait gaffe. 25. C'est quand que je m'arrête là? Pour rire? 54. Ouais, 54. Attends, 54 pour faire combien de tours? 15 tours, t'as dit combien? 16 tours. 16 tours, ça. 54, ça fait 16 tours. Ça aurait peut-être un peu plus tôt au pire, hein, parce que là, je sais pas. Tu vas te faire doubler parfois des Imich. Moi, je ne vois pas trop quoi tenter. À part une safety car, évidemment. Hein. Une safety ah, de toute façon, maintenant, à part une safety car. Safety car. Trop loin des points, j'attends la safety car pour m'arrêter, tu vois. Ça serait beau qu'il y ait une safety car secondes... pile maintenant. Bah, t'es à 40 secondes des points, quoi. Donc, avec des pneus usés en plus. Oh, bah, j'étais à 40 secondes. Non, peut-être pas 40 secondes des points, mais j'étais à 40 secondes de Samolo au même moment. Ah, ça fait une buggée. Ça affiche plus un tour maintenant. Ça affiche effectivement. Ah, ça arrête de bugger, c'est bon, ils vont s'en sortir un safety car. Non, mais il y avait un tour des points là, c'est plus un tour. Est-ce que 20 tours en soft c'est faisable? De toute façon, là je peux pas vraiment tenter autre chose. Je sais pas. Je suppose. Bah, il y en a qui ont fait 20 tours, oui. Mais oui, mais nous sommes déjà usés. Oh, quel enfer. Je refais un petit tour pour saluer la foule et puis je sais pas. Et allez, une petite pénalité, de toute façon on en a. Eh mais non, mais arrêtez de péter vos ailerons! J'en ai marre! Arrêtez! J'ai encore failli me prendre un aileron, mais c'est pas vrai! Je vais vous les mettre dans le cul! Je vais mettre dans le cul! Ah bah c'est Cyril! Attends, c'est qui est devant moi? Ah non, mais c'est même pas Cyril! C'est Rulio. Rulio qui a paumé son aileron, qui est à un tour de moi. En fait, je suis en train de me faire prendre des ailerons. Il y a des gens qui posent des pots de bananes sur le circuit. Des pots d'ailerons là. Et c'est dingue, alors qu'ils ont un tour de retard. Ils posent des bananes.
Bon, on s'arrête, j'ai dit que j'arrête. Bien, oui, je m'arrête à la fin de ce tour. Allez. On salue la foule. Et arrêtez de poser des bananes. Oh, insupportable. Insupportable. Non, je veux dire, sur le forum, il y a une volonté de... Comment il disait Sarkozy? Il y a une volonté de m'humilier. Ah, c'est de ça. Oh mon dieu, mais N-Scorp le double! Oh non, non! Ça, c'est N-Scorp, c'est Darkfrod. Hein. Ah, bah il a même pas réussi à me doubler en plus. Ah, est-ce que je pense que j'avançais trop vite? Je ne sais pas. Je suis au stand. Très bel arrêt de Tifleur, gars! Regarde! Et quel en pilote! Et j'aime bien tout le monde s'arrête derrière! C'est bon, tu peux partir. Ah, c'est N-Scorp qui s'arrête en plus, non? Et c'est. Ah, mais tout le monde est au stand en fait! Quoi? Tout le monde est au stand derrière moi. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mais tout le monde. Attendez. Ils sont pas tous au stand? Même N-Scorp, il y est pas? Bah, je ne sais pas où N-Scorp, mais N-Scorp est derrière moi. En tout cas, tout le monde est au stand. Ah si, il y a Mich. Et il y a Zboubi juste derrière moi. Je pense qu'il a un tour d'avance, donc il faut que je me dépêche. Je ne sais pas où sont passés. Si, oui, il y en a qui sont au stand, effectivement. Donc là, pour m'étendre, il faut que je. Vous avez l'air de briller, mais. Il y a Rulio, Killer, Sato Stand. Et Mich également. Le jeu me dit que je n'arrêterai plus. Ah bah oui, tu veux jusqu'au bout là. 17 tours avec les tournois. Alors qu'est-ce que je peux viser, mes infins? Parce que là, je vois du 12 tu secondes, viser... du 15 secondes, je peux rattraper. Hein, devant tu peux moi. Viser la 13 place. La quoi? Peut-être la 13ème, attends. Donc c'est beaucoup, 13ème place. Bah, Scrat il a plein de pénalités. Le 13ème, là il y en a plein, je crois qu'il en est arrivé d'en prendre encore. On va bien choper au moins la 8ème place. Elle est à combien? La 9ème, allez, soyons gentils. Ah, par contre, Dez et Joe ont doublé Samolo. Ah, MC Kirk, ça a été. Ouais, je crois que Samolo était derrière Dez. Je sais pas, il les a. Non. Il l'a doublé. C'est compliqué. En vrai, si j'ai un tour de retard sur les premiers, je ne sais même pas où sont les premiers là. Je ne voulais pas de safety car finalement. Mais de toute façon, qu'est-ce que je te dise? Faudrait que tout le monde se crache et puis tout le monde me laisse passer. Et puis, allez, prenez-vous des ailerons qui traînent aussi. Pourquoi il n'y a que moi qui me les prends? Je suis le seul à m'en être pris. Hein. J'ai failli m'en prendre un deuxième en plus. C'est catastrophique. C'est tout une catastrophe. On va faire meilleur tour alors. Ça va faire. Est-ce que c'est possible que je fasse le meilleur tour? J'ai pas donné. Je suis pas sûr parce que je vois que là ils s'arrêtent au stand, les premiers là ils vont mettre des temps et ils vont cater les chronos. Notre avance sur la voiture de derrière est de... C'est pas comme à Monaco. Il y a Magda qui repart en soft, à mon avis il fera un meilleur tour. Hein. Oui. On va donc chercher plutôt à protéger mes petits pneus. Bon, en vrai, ça fait un peu comme Espagne, c'est-à-dire, bon, d'accord, je suis planté, mais en vrai, j'ai pas grand concurrence qui a fait des belles courses, donc ça va. Enfin, pour l'instant. Daze, il fait combien là? Daze, il est 11ème. Ah bon? Il y en a de lui qui sont pas arrêtés aussi, donc. Piqué cette course en vrai, en termes de. Ouais, mais après, jusqu'au bout. Mais je pensais que c'était Derprod qui était devant moi, mais non. C'est qui? C'est Rulio encore? Si, c'est Fred. C'est Alex. Ah, 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 ah. Il est sixième. C'est du Monaco bis. Je suis derrière les premiers, j'en ai marre. À cause d'un putain de pneu. Je vais être obligé de le doubler. Il est en hard en plus, non mais. Oui, il est en hard. On va tenter une Monaco, je double les premiers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après le cinquième est loin. Il va bien me doubler, il va bien me laisser passer. Gentil, ah, mais t'as ce Boobie derrière toi. Oui, c'est pour ça en fait, c'est que. J'ai pas vraiment envie de. Voilà. J'en ai marre. Excusez-moi, hein. Là, je déconne un petit peu. Franchement, pas très agréable ce qui se passe là. Je suis en train de me battre avec des sixièmes. C'est Fred assez désagréable. 3 secondes. Alex, ça, c'est censé être le mec que je suis en train de battre là. À la régulière quoi.
Le mec, mais en fait, il y a un coup. C'est Monaco, ça m'énerve. Ah, est-ce qu'il me laisse passer, ça serait énorme. Bon, je pense pas. Est-ce que Alex serait gentil? Vas-y, mon dieu, mais. C'est le plus fort, Tifleur, je vais le laisser passer. Bon, en vrai, je pense que de toute façon, je dépasse dans la ligne droite, on verra. Ne t'en fais pas, Alex, de toute façon, N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti! Je le double! Oh là, je le défonce. Hop! Mais Tiflor, qu'est-ce que tu fais? Il est sixième! Oh, regardez-moi ce virage parfait! Incroyable! Bon, c'est bon, je vais pas gêner, a priori, tout va bien. Oui, mes pneus doivent durer, on a compris. Par contre, le but c'est de prendre de l'avance. Si c'est si Alex y revient, ça va pas aller. Bon, ça va, parce qu'il y a N-Scorp derrière moi, donc N-Scorp c'est celui que je suis censé rattraper. Drapeau bleu! Arrêtez avec vos drapeaux bleus, je viens de le doubler! C'est pas vrai! Je vais avoir une pénalité de drapeau bleu parce qu'il y a un mec qui va moins vite que moi derrière. Merci. Arrêtez de le mettre! Deux claques! Hop! Laissez-moi, je fais une Ocon sur Verstappen, tranquille là, tout va bien. De claque. Laissez-moi. 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 Notre retard avec la voiture qui nous précède est de... SCB, Killer et Hart sont en train de remonter un peu. Et tout bénef pour toi. Ah, ça... parce qu'ils sont pas remontés là, ils sont combien? Bah, ils sont 9 et 10 et ils reviennent sur Joe McKenzie. Ah! Bah voilà! Bah allons, allons bon là! Alors, ça croit me battre là, les sauts devant! Ils vont gagner quoi? Ils vont gagner la 10ème place maximum? Ah! Ah! Non, je suis content. Et là, paf, tout le monde crache devant. Moi, je fais une 10ème place, tout le monde fait 5 ou 10, 6 et je ne suis plus dans le classement. Et le prochain Grand Prix, c'est la France. La France. Je ne sais pas si... En vrai, là, je pensais pas être aussi compétent en Canada, mais je suis encore une fois le meilleur des autres, j'ai l'impression. T'as vu le rythme tième, encore une fois. Mais bien sûr, hein, il a fallu un petit élan pour casser tout ça. 8 ou 9e. Ouais, je sais pas si j'aurais pu rester devant. Mais je comprends, bah y'a qui devant là, c'est quand même fou, hein. Tout le monde qui a devant là. Bah, il y a les 6 meilleurs comme d'hab là. Attends. Il y a 7 meilleurs. Les 2 McLaren, les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, Full Warrior, Alex qui est nouveau et qui a pas mal, Booby. Ah voilà, du coup ça laisse pas beaucoup de place. Est-ce Booby qui ne crache pas? Eh non. Bon, il a pas mal de pénalités, mais. Ah, il a combien de pénalités? 12. Ah, ce n'aurait pas été un. Je sais pas à combien. Et il va passer derrière Killer, du coup, ça c'est bon pour toi. Bah, moi, ce Bubi il est trop loin en classement, je pense pas qu'il puisse remonter. Peut-être que je. Oui! En tout cas, c'est pas quelqu'un que je considère comme étant mon ennemi actuel. Enfin, mon ennemi, mon adversaire. Oh! Oh putain, il y a ce Bubi, s'est fait cartonner! What the fuck? Comment ça, je vois, c'est pas lui en plus, c'est. Je ne vois absolument rien, il y a quelqu'un au stand, c'est tout. Bah, il y a pas jaune, oui, c'est Bubi au stand. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait. Toucher dans la ligne droite, et boum, dans le. Et du coup, il a pété son aileron, ah, c'est ça. Il n'y a pas eu de drapeau jaune, effectivement. Alors, ça, c'est assez décevant quand même, le drapeau jaune. C'est putain, il partait semblant, hein. Bah, tu vois, tu disais. Au moment où tu dis Booby casse pas, le pire, c'est que c'est même pas sa faute en plus. Mais c'est la faute je sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui côté de lui ou un retard putain, de temps. Il a une pénalité. Pas très clair cette histoire. Putain, je peux pas mettre en arrière pour voir qui c'était. Pilote derrière. Y a pas de retour en arrière sur Twitch. Pilote derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 12,1 seconde. Il chausse des pneus durs usés. Il chausse des gommes usées depuis 12 tours. Le dernier tour a donné 1,13,4. 13,4. T'as trop mal avec ces hard là. En fait, je. Ah, bah y'a Mishmush qui revient dessus en plus. En vrai, là, c'est pas une course super pour qui que ce soit hein, dans mes concurrents, j'ai l'impression. Non. Donc bon. Bah, si, y'a Joe McKenzie qui fait une bonne course.
Mais oui, mais là il va se faire taper, non? Ou c'est encore pas le cas? Mmh, bah, tu me dis, pour peut-être l'instant, surtout il a pas de pénalité, il fait une bonne course. Ah, ouais. Là il est 8ème. Après Mackenzie, il a pris du retard. Finir. Classement. Je regarde un peu les classements là. Ah, il a peut-être fini à 8ème, ouais. Pour l'instant, avec les pénalités, il est même. Il est 6ème, même avec les pénalités. Allez, une safety car tout de suite maintenant là. Ouais. Ah. Safety car, c'est BNF pour Joe McKenzie, hein. Oh, putain. Merde. Bah non. Ah bah oui, il a zéro pénalité. Ah bah merde. Pourquoi il y a Rulio qui a une crevaison, non? Ou alors il laisse passer? C'est possible. Ah, drapeau jaune, ouais. Alors c'est Rulio qui laisse passer. Déception. Quelqu'un au stand, qu'est-ce que c'est? Blaster. Ah bah non. Non, je voulais pas. Il a vu grand prix Blaster, hein, le pauvre. Ouais, c'est mais Neo est premier en plus. Trois fois de suite. Pour quelqu'un qui joue le championnat, c'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est Rulio au ralenti. Ah oui, crevaison de Rulio. Ah mais vraiment crevaison? Ah bah vite, safety car. Ah oui, oui. Ah bah safety car. Loul. Non, il a vraiment crevé, ouais, comme toi, avant droit. Très bien. Non, je vais faire un petit message aux femmes. Arrêtez de laisser vos ailerons n'importe où, s'il vous plaît. Mettez des petits triangles. Ah, Daze a redoublé Articon, mais il a 3 secondes de plus de pénalité. Donc si Arz arrive à rester dans les 3 secondes... Ouais, il arrivera largement. Allez, prends 3 secondes Arzicon, voilà, au moment où je dis... Ah oh putain. Oh putain. C'était le petit car. Oui. Je l'ai dit. Par contre, attendez, là, ah, il faut que je vérifie. Mich, je suis abandon. C'est là, je vérifie. Non, je vais pas m'arrêter, ça sert à rien. Tentons le tout pour le tout. Par contre, comme ils ont des pénalités, toi qui t'as que 6 secondes... Par contre, c'est Joe McKenzie, c'est tout bénéf pour lui là. Il va faire un. Bon, McKenzie, ça me dérange pas trop parce que McKenzie, il a du retard au championnat et ça lui fera pas de mal de remonter. Tous ceux qui sont devant là, les 4 devant toi, tu veux les griller avec les pénalités. 4 Ah bah, les 4 devant, ils ont. Attends, mais Energy Blaster, il ne s'arrête même pas non plus. Loul. Et bah, les 4 devant toi, ils ont 18, 15, 21 et 15. Toi, t'as que 6. Par contre, devant, ça va être compliqué. Pour les points, ça va être tendu quand même. Ah, quoique, ils ont tellement de pénalités devant. Attends, t'es pas à un tour, hein? Si. Si. Ah, si, t'as un tour, c'est vrai, j'ai oublié. Articon a quitté la session. Quoi? Ah non, c'est une déco, d'accord. On verra ce que ça donne, ce truc pour moi. Je sais pas où je vais atterrir. Ah, mais t'as un tour de leader. J'allais dire si t'étais pas un tour de leader. Mais Mackenzie, il est pas un tour du leader? Après, ça permet de resserrer les écarts et d'avoir une course de fin folle, peut-être des crashs, tout ça, donc. Joe McKenzie, il est dans. Non, c'est pour ça que Joe McKenzie, il peut faire podium là. Hein. N'importe quoi. C'est ouf. Bah, on va voir, hein, mais il va rester quelques tours. Il a zéro pénalité. Il y a vraiment beaucoup de pénalités devant, ouais, c'est vrai que putain, il y en a beaucoup. Et il y en a pas mal, hein. À part Maxta et Full Warrior. Et Maxta, il en a 0. Full Warrior, il en a 3. Mais à part ces deux-là et les McKenzie, ils ont tous 12 secondes, 15 secondes, 18, 12. Ah, c'est... Pourquoi il y a encore un indicateur delta là? On n'a plus besoin là. Putain, mais je vais. Ah, bah t'as doublé Fred, tiens. Loul. Ah, c'est bon, il n'y en a plus. On va pouvoir attraper. Mais pourquoi tu doubles Fred? Qu'est-ce qui se passe? Il est au stand. C'est mon classement, tu. Et peut-être ça a été au stand aussi, ça doit être bah, ça. Oui. Est-ce qu'il a bien fait? Je ne sais pas. Je vois une flèche verte sur Tifang. Bah alors, Tifang, il double des gens. Par contre, j'ai plus de pneus. On va voir ce que ça fait tout ça. Mais pourquoi il y a le delta? Mais il n'y a pas besoin de delta. Mais enlevez votre delta. Mais c'est pas possible. Mais franchement, la dernière année que je joue à cette merde. Arrêtez là. Ah oui, il y a Enscorp qui peut gagner. Hein. Enscorp a zéro pénalité également. Hein. Mais Enscorp est super loin, il est derrière moi. Il est con. Mais c'est Plano, en fait Plano il vient de le dire sur live, il vient de dire attention Enscorp, il a pas. Ah il va gagner Enscorp. Non mais c'est vrai, il a zéro pénalité en plus, il est derrière toi. Mais derrière moi en pneu hard donc. Mais il a pas de pénalité. Je vais voir comment va se passer cette course parce qu'il y a du monde derrière, il y a du monde devant. T'as safety car à 5 temps de la fin. Oh bah c'est victoire pour Maxta et ouais, là c'était Warrior, victoire, hein. Pour moi, hein. Victoire pour moi. Victoire pour moi. Il y en a quand même 3. Il y en a comme 3-4 qui n'ont pas beaucoup de pénalité. Hein. C'était Maxta, Full Warrior, je vais gagner par moi.
dommageablement. Kilo, elle a que 6 secondes également. Bon, c'est bon, nous on revient sur les premiers avec Blaster. Ça va être encore une fois un emmi-mêlo de tours et de retard à terre. T'as encore une chance d'être dans les points, hein, parce qu'a priori, Kilo. Mais retard ton papa, j'ai même pas rattrapé là, arrêtez. Bon, ça sert à rien de consommer trop d'essence. Le 9ème est à un tour. C'est-à-dire que tu peux finir 9ème selon ce qui se passe. Alors là, avec les pénalités. Pour moi, tu gagnes 1, 2, 3. Pour moi, là, t'es avec les pénalités, tu te retrouves 11ème. Oh putain, mais il y avait encore un aileron, c'est moi là, mais. J'ai du mal voir. Mais je crois que c'est le petit car, il nettoyait la piste, c'est quoi cette merde? Un rouleau qui prend 3 secondes. Oui, enfin, c'est pas. On s'en fout, rouleau, il a 2 tours. C'est pas ça qui va changer grand chose. Oh, putain, mais ma voiture glissait. Je pense que j'ai pneu trop froid. On va les réchauffer un petit peu. Ça repart pas maintenant. C'est d'air froid qui est derrière moi. Mais il y a qui derrière? Il y a Enscorp. Mais j'ai peur qu'il y ait des gens. Il y a Sboopy, je crois, derrière tout le c'est monde. C'est tout. Ah bah après, derrière, c'est peut-être des mecs qui sont à un tour d'avance. Oh le bordel que ça va être. Il doit y avoir Alex derrière toi là. Il va revenir, drapeau bleu. Il y a Sboopy, je crois. Oh Alex. En vrai, il n'y a pas tant que ça derrière moi, il y a 3 personnes. Non, Sboopy, il est juste devant toi. Hein. Ah bon? Il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Il a cassé son aileron. C'est Dave qui est derrière moi? Non, Sboopy. Il est devant toi, Sboopy. Mais bah alors, c'est Dave qui est derrière moi. Mais c'est Dave, oui, c'est Dave. Si t'as une taureau sous derrière toi, c'est Dave. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il fout là? Il a un tour de moi. Bah, il a un tour d'avance, quasiment. Mais il a combien, Dave? Je croyais qu'il était loin. Bah, il est 8ème. Je suis dégoûté. Par contre, Killer s'est fait niquer. Ouais, Killer est à un tour. Ça veut dire que tu peux finir 9ème. Théoriquement. Ah oui, t'as 12 tours. Ah oui, t'as pas des bons. Donc, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. T'as quand même une chance d'être dans les points. C'est pas dit, mais bon, ça va être compliqué parce que t'as quand même Killer et Arzikon. Mais attends, peut-être des crashs. Peut-être des crashs. Voilà, c'est ce que je dis. Ah, ça va partir. Mais peut-être que les crashs vont me correspondre à moi. Mais bon, en vrai, là, si je crash, je perds quoi? Un point? Bon, super. Ça va vachement changer grand chose à ma vie. Ah oui, Fred a des pneus neufs. Mais pas moi. Et Scorp, il est dernier, il a même pas chez le pneu. Il a stack ses arbres. Tu vois, ça sert à rien. T'as du monde derrière. Mais ça va, derrière moi, il y a plein de gens qui protègent, mais il y en a moins 3 qui sont pas dans le même tour que nous. Ça va être drôle pour eux. Oh merde, j'ai oublié le départ, moi. J'ai oublié de démarrer. Peu de retard sur Blaster. Putain, ça va être un bordel là. La piste est dégagée, drapeau vert. En plus, avec les retards à la terre, tout ça, je pense qu'il peut y avoir des crashs. Oh, je reviens sur Samolo. Samolo s'est arrêté. Je fais une button là. Samolo s'est arrêté. Allez, bim! Sboopy qui crash! Mais Sboopy en face de moi, en fait! Attends, mais si Sboopy il est là, c'est-à-dire que. What the fuck? Bah, et vous êtes dans le même tour, hein! Peut-être moyen de remonter alors! Eh oui! Allez, c'est parti! 5 tours! Drapeau bleu. Non. Drapeau bleu, ils m'ont pris pour qui? Putain, c'est qui est derrière moi? Non, c'est Samolo qui est derrière. Pour 9 dixièmes, tu es dixième. Pour 9 dixièmes, t'es dans les points. Face à Articon. Le Mackenzie, il est combien là? Joe Mackenzie, putain, il va gagner avec les pénalités. Enfin, il va gagner. Enfin, il est septième, et comme il a pas de pénalité, il va être dans le top 5. Dire que c'est moi qui devais avoir ce top 5. Par contre là j'ai du mal à rattraper qui que ce soit là. C'est plus compliqué. Ouais, et Articon il va te doubler aux pénalités finalement. Enfin il était devant lui, il croise au péno mais de 2 dixièmes là, il va plus que toi. Ça va être compliqué. T'as dû aller au stand. Ah oui, il a des pneus plus fractaux en plus. Il s'est arrêté, ouais. Ah Killer, 3 secondes encore. Allez, ça serait bien là, pour un petit coup. Ah, mais il est trop loin, Killer, je le rends pas.
Est-ce qu'il peut y avoir des crashs là? Mais S-Boobie qui se fait griller encore. S-Boobie il a tout perdu là. C'est vrai que c'est plutôt lui qui devrait avoir la rage. Par contre, il y a Samolo derrière qui a l'air d'avoir un bien meilleur rythme. C'est bizarre, il s'est arrêté au moment du restart. Il s'est arrêté, il a laissé passer tout le monde quoi, il était toi aussi. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Ah, meilleur tour de kill. Ah, les drapeaux bleus sont loin de moi pour l'instant. Bon, je viens de me faire dépasser par Samolo par contre. Ma course semble quand même sacrément compromise. Je crois que t'as 3 secondes de moins que lui, mais je suis pas sûr. Il y a eu des trucs de terre alors qu'il était même pas les roues dans la terre. Est-ce que c'est particules qui sont buggées? Et encore un bout d'élan que j'ai vu devant moi! Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle... Mais c'est dingue, arrêtez de paumer vos bouts d'élan, vous m'énervez là, j'ai encore ma prendre dans le pneu. En fait, Samolo il va pas si vite que ça, je suis encore derrière lui. Bah il a les mêmes pneus que toi en fait. Et donc, allez, drapeau bleu, je sais pas que ça va faire moi. Je suis en quoi en plus? Comment ça je suis pas dans le DRS de Samolo? Ah, Samolo oui t'es devant lui. Il a plus de pénalité que toi. Largement. Par contre, Articon... Allez, faudrait qu'il prenne. T'es 11ème là, tu vas gagner 2 places. Il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il va plus vite que moi? Parce que s'il va plus vite que moi, faut absolument que je laisse passer. Non, c'est... Ouais, allez, je laisse passer, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Espérons que ce soit le seul. Bon, Dez a fait 8ème. Joe McKenzie... Putain, quoi, 8ème? 5. C'est vraiment dégueulasse. Je pense. Mais mieux, il va faire podium, Joe McKenzie, attends. Mon doublé 4. Ah, il va être 3ème, Joe McKenzie, là, je pense, attends. Je suis vraiment dégoûté. Ça, c'est toujours comme ça, hein. Quand il y a des opportunités à prendre, le jeu me met des bâtons dans les roues. C'est chaud devant là. Les leaders là. Il faut qu'il crache. Oh, Blaster. Et Blaster qui se bat pour la 5ème place là. Il a failli accrocher mais non. Un rouleau de 3 secondes, on s'en fout. Après faut pas trop que ça accroche parce que c'est Coupe Days. Attends, Days il est où? C'est pas lui qui est dernier là? Ah peut-être. T'as mis une dégoûte Days puisque le mec est dernier mais vu qu'il a un tour de retard sur tout le monde grâce à la safety car. Hein, enfin il est dernier, enfin, je comprends quoi. C'est dégueulasse. Et 8ème dernier de leader. Je suis dégoûté quoi. Puis en plus c'est fini là puisque j'ai un tour de retard. Oui. Oh, je peux choper de la 11ème place, je sais pas, j'ai pris trop de retard. La 10ème place. T'as Maxta qui gagne alors qu'il a cassé son rond au début de course. Bon. Oh, je prends la 10ème place. 10e. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Le classement il fait nimp là, non? Non, c'est bon. Mais pourquoi t'as doublé Articon? C'est quoi ce bug? Il a pris 3 secondes. Mais il était pas attends. Loin. Attends. Et Enscorp est derrière Articon, moi. Il devait être devant. What the fuck? Et Joe McKenzie, ah non, 6ème Joe McKenzie. Je pensais qu'il était ce 4ème. Ah, mais peut-être parce Joe qu'il McKenzie a eu des pénalités 6. Qui n'étaient pas dedans, non? Je sais pas. Peut-être que ça s'est mis à la bah, fin. Articon, il a eu 3 secondes. Mais Articon, normalement, il devait être devant toi. Il a pris 3 secondes à la fin. Ma théorie, c'est soit un bug du jeu, soit il a pris 3 secondes à la fin. Pas très compréhensif. Ah, ou une pénalité qu'il a pas fait. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être 5 secondes. Oui, qu'il oui, a c'est pas ça, fait. Hein, c'est ça que ça. Je me disais. Hein. Ah bah c'est ça. Attends, je peux aller vérifier vite fait dans le directeur de course. Hein.
Ah bah dixième. Ah bah. Et bon, finalement. Ça fait 2 points. Et Daze, bon, il a combien en étant 8ème? T'aurais pu faire mieux, mais au finalement, 10ème. Daze, hein, il fait combien? Il fait. Non, ça fait 1, 2, 3. 8ème. 4. Il a 4 points. 8ème, c'est 4 points. Donc toi, j'ai. C'est 2. Bon, ça va. Et Enscorp n'a pas de points du tout. C'est... Et Joe McKenzie a fait 6ème finalement. Et je disais 4, mais finalement, il a. Avec les. Comme il était plus lent, il a quand même. Il s'est quand même refait doubler. Ouais. Bon, je suis un peu dégoûté quand même parce que là c'était clairement la. Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu. Qu'est-ce que j'aurais pu. Ah bah avec le safety car, t'aurais pu faire. Ouais, non, enfin ça change pas grand chose, tu me dis, t'aurais fait 7ème. 7-8ème. J'ai fait une 12-1. Je suis nulle part en termes de temps autour, je suis le seul con qui s'est pas arrêté. Oh là là, mais quel gros. Tu t'es pas arrêté à la fin aussi, hein. Bah oui. Mais en vrai, je sais pas si ça aurait changé grand chose. Donc, attends, surtout McKenzie qui a fait une bonne opération. Articon. 9 secondes il a Articon. Articon que 9 il a 9 secondes. Bah c'est qu'il a pris 3 secondes à la fin. Attends, mais non bizarre. Bah mais c'est qu'il s'est loupé, il s'est loupé. Mais c'est qu'il s'est loupé lui-même. Mais non mais finalement il a que 3 secondes de plus que toi seulement. Non mais c'est qu'il s'est loupé. Putain, à la fin quoi, c'est qu'il a fait une erreur. Sortie de route. Bon bref. Bon bah tant mieux. Parce que Articon pour moi il était 3-4 secondes devant toi, même avec les pénalités, je veux dire. Hein. Il y a une petite marge, c'est pour ça que je disais, bah tu vas faire 11ème. Bon, bah tant mieux. Et une Scorp qui fait 11, ouf. Je regarde vite fait si je vois du hard. Je joue pas de hard hein, dans les. J'ai jamais vu. Ouais, non, enfin, bref. Bon, bah tant mieux. Ouais, je sais pas. Bon, bah 10ème, Dez qui nous fait. Joe qui fait 6, Alex 7, Dez 8. En vrai, oui, je pense pas. Ah, est-ce que Joe McKenzie. Je pense pas que j'aurais pu l'avoir, Joe McKenzie, avec une pénalité. Putain, mais Alex qui fait 7ème avec 15 secondes. En vrai, je serais derrière McKenzie, je pense, non? Après, ah, Alex, pas, il a été 6-7ème toute la course, c'est juste qu'il y a des pénalités. Donc, du coup, ouais, 7ème. Ouais, peut-être pas. À la limite, j'aurais fait une. Enfin, non, en pénalité, t'étais devant lui, mais sur la piste, non. Voilà. Ouais, je sais pas. Bah, t'étais parti faire 7-8, 7ème. Donc, j'ai perdu. On va dire si j'ai refait 7ème ou 8ème, j'aurais perdu 4 à 6 points, c'est ça? Non, 4 à 6 points, 8e, j'ai fait 2 points. Donc j'ai perdu points. 2 à 4 points, on va dire ça comme ça, donc ça va. C'est ça. Soyons relativistes, j'ai perdu 2 à 4 points. Bah, tu finis comme dans le top 10 alors que c'était désespéré avec la crevaison. Ouais, c'est un point qui est pas de. Et donc désespérant, hein. Et voilà. Désespérant, Tifa. Et voilà, j'ai fait un bel record. Mais Dez, c'est bon, on a compris sa stratégie. En fait, il fait jamais les qualifs, comme ça, à chaque fois, il est pilote du jour. Ah, ce qui ne sert à rien, puisque le pilote du jour n'est pas. Et heureusement. Bon, attends, quelle heure il a que je surveille. Ah, c'est l'admi. Bah, attends, c'est en 30 minutes là. Oui, c'est en 30 minutes. F1. Ou soit que j'avais complètement zappé la F1. Bon, en vrai, ça, je suis pas. C'est tant pis, mais bon, ça va. McKenzie va remonter au classement, mais il avait pris du retard, donc en soi, ça va se resserrer, je pense, surtout. Parce que Enscorp, pour le coup, a beaucoup perdu. Mais j'ai l'impression qu'Enscorp, il est plus autant compétitif qu'en début. Alors que McKenzie, bon, il a l'air d'être encore dans le coup. Ah, Joe McKenzie, t'es au fond du trou, et là, il fait un bon grand prix. En vrai, il fait un bon grand prix parce qu'il n'y a pas de pénalité. Parce qu'en vrai, j'allais plus vite que lui, mais lui, aucune pénalité, donc il a bien géré ça. C'est grâce à ça qu'il a fait une belle course. Très bien. C'est vrai. Bien, mon pilote du jour, ce serait McKenzie, donc. Je pense qu'il a fait une belle 6ème place, et puis il n'a pas eu de pénalité, donc même si j'aurais pu rester au même endroit où j'étais... Dans le deuxième groupe, Joe McKenzie, mais sinon Max T'as, hein, parce que le mec, il te casse un aileron au bout de 10 tours à peu près, là, il est derrière toi, même... il fait une remontada, il prend pas de pénalité... Et Joe McKenzie qui me dit désolé pour l'aileron. Pourquoi c'est ah lui qui oui dit quand ça t'as doublé mais il m'a pas pété l'aileron. Dis lui que c'est un fils de pute. Il m'a pété l'aileron McKenzie. C'est Enscorp qui me l'a pété. Dis lui je t'excuse pas fils de. C'est Enscorp oui. Oui c'est Enscorp qui t'a cassé l'aileron enfin. Après c'est pas ça enfin je sais pas si tu essayes de. Tu allais tenter. De forcer. Que tu allais tenter ou S. Attends il parle du S. Il parle du S. T'en parles pas avec une. Est-ce que je pense pas. Je pense qu'on a failli casser son aileron. Quand t'as cassé
Je pense qu'on a failli casser. C'est Enscorp qui me l'a pété, je suis à peu près sûr de ça. Non, mais quand t'as cassé, c'est quand Joe McKenzie double Enscorp et toi t'arrives derrière Enscorp et tu casses. Mais c'est Enscorp, c'est pas Joe. Pas de mémoire, hein. Vous étiez tous les trois là. Je pense qu'il parle du moment où j'ai crevé mon pneu, hein. Je suis pas sûr. Ah, c'est peut-être ça. Hey, t'excuses pour avoir laissé à bout d'aileron que t'as crevé, c'est ça? Attends, le S, parle du S, il y a un S dans. Oui, ça fait le S. Il parle pas de la chicane avant l'épingle là? Non, je vois pas. Ah bah attends, on m'invite dans une partie. Si. Je vais devoir partir. Des bisous. Ah bah je te laisse tranquille. Ouais, salut. Bisous. À plus.